C'était une petite commune. Et
comme par hasard, ce sont deux Lagrange. Alors nous allons payer un voyage à notre présidente adjointe pour l'inauguration de mon livre. C'est qu'il a été pêché, j'aime bien lui. Moi je voudrais bien savoir parce que des Lagrange il y en a partout. Ça pullule. Alors ça ne doit pas être de mon côté à moi. Non mais je vais vous dire quand même, parce que quand nous voyageons, quand nous allons en vacances, il nous arrive de faire les cimetières. Hein, parce que bon, c'est pas pour des moraux, bon, vite, non. Mais mon mari dit, tu vois, mais il y a encore des Lagrange ici, ça pullule. Mais malheureusement, je ne trouve pas de bonnet, alors je peux pas lui répondre. Il n'y en a pas beaucoup de bonnets avec deux N, X, des N. C'est vrai, hein, il paraît que c'est une sale race. Hein. Quelque chose, bah, donnez-lui. S'il demande de boire, faites ce que vous. Alors, bon, voilà la dame qui revient, puis que Fauniette, il dit alors. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le docteur? Ah ben, il dit que j'en veux. T'essayes vraiment, j'en veux, tu peux manger ce que tu veux. Alors, du fait, il regarde à Jean Bonquet au plafond, puis il dit, maman, mais je me rigolerai avec un trajet de Gabon. Ah non, là, j'ai toute ma pirma. Alors là, c'était encore que Fauniette qui était malade, et puis, mais il était en haut, et puis son camarade vient le voir, puis il lui dit, ça va, bah, écoutez, montez. Vous savez, ça va pas fort quand même, hein. Vous avez bien fait de venir parce que j'ai vraiment la faim. Donc, forcément, le camarade, il monte, et puis, il regarde Fauniette, il lui dit bonjour, puis il ne dit plus rien, puis il regardait toujours la porte. Que Fauniette, il dit, mais elle ne me dit rien. Mais je suis en train de me demander le cercueil qu'on m'a commencé à faire pour faire passer. Bah, vous savez que dans la vie, il y a des brins, des flots, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, un petit coup. Petit coup, c'est doux. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup, c'est nous. C'est le. Ces Parisiens qui les avipincent, n'oublieront point qu'ils ont reçu à maison l'autre faux comme des princes à derrière du cas des belles. Et quand Fauniette, il rit dommage des vieux jours qui veulent passer. Oh, comme il va s'appeler le pape. Vive Paris pour boire et pougner. Et en effet, ça l'y mérite. Chez Parisien, pendant 8 jours, sont qu'il y a eu un sac sur ce marmite. Et ils ont dévoré ce basse-fou. Thank you.
Quand on est bien, 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 on est bien,
Alors, un petit commentaire néanmoins au sujet de ce montage. Vous avez vu que, vous n'avez pas vu, effectivement, des images sur notre permanence du lundi après-midi. Or, tous les lundis après-midi, elles continuent d'avoir lieu et sa fréquentation n'est pas négligeable. En moyenne, un lundi sur deux, nous avons des visiteurs, qu'ils soient scolaires ou adultes, à la recherche de documents ou d'informations historiques. Donc vous voyez, nous avons quand même là un rôle à jouer. Deuxièmement, rien n'est dit non plus au sujet des journées du patrimoine. En effet, cette année, nous n'avons pas participé à cette opération, car la date correspondait avec l'ouverture de la Ducasse de septembre. Et l'accès chez nous, durant cette période, est quasiment impossible. De plus, la proximité des manèges, diffusant des décibels à outrance, ne nous aurait pas permis de rendre audibles les explications et commentaires. C'est regrettable. Vous n'avez pas non plus eu d'image sur la visite des historiens locaux au collège. À ce sujet, nous avons reçu un courrier que Mme Bonnel va vous transmettre. Donc maintenant une petite cérémonie qui est très rapide, c'est les renouvellements des candidatures au comité. Alors nous démissionnons M. René Dupont, M. François Genot, M. Boulanger qui n'a pas pu venir vu le temps, et nous vous demandons d'accepter la nouvelle candidature de M. René Dupont, de M. François Génot et de M. Jean-Marie Boulanger. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Bon, eh bien, j'arrive maintenant, si vous voulez, à mon propre travail. En effet, pour cette année, j'ai pensé que l'on pouvait donner une autre forme à notre Assemblée Générale et éviter de faire un doublé entre le rapport imagé et le rapport moral. Et je vous propose de réfléchir ensemble sur notre entité, sur nos actions, d'essayer de mieux définir notre société d'histoire et de comprendre son intégration locale. Du vert, et on pourrait peut-être obtenir le partenariat de l'OAR, Écomusée de la Mine, également. Je peux vous dire qu'actuellement, la CCI, c'est-à-dire la Chambre du commerce et de l'industrie, en accord avec la CCED, c'est-à-dire la communauté de l'Est, des communes de l'Est du Douaisis, eh bien, actuellement, ces organismes sont en train de chercher une action possible pour développer le tourisme dans notre coin. C'était peut-être un moyen, une opportunité qui aurait pu s'offrir à nous. Je vous signale néanmoins que cette idée, eh bien mon Dieu, elle est ancienne, puisque déjà en 1978, Louis de Beau écrivait ceci dans la Revue du Nord: un véritable écomusée ne saurait répondre à sa définition même s'il isolait la mine et le charbon du contexte industriel créés par leur présence, et particulièrement pour la production de l'acier et du verre. Or, il se trouve qu'à proximité de Le Havre, les deux grands du verre, BSN à l'époque et Saint-Gobain toujours aujourd'hui,
ont repris à Anige des verreries nées à l'aube du bassin minier et où l'on trouve en puisant dans l'une ou l'autre tous les éléments susceptibles de retracer l'histoire du verre industriel dans un siècle, depuis un siècle et demi. Ou des canons de 2,50 m. Hein? Et des vitraux. Des vitraux. Ouais. Tout ça, on ne peut pas installer votre place. Alors, je ne comprends pas parce que le système culturel avait bien pensé de récupérer la bibliothèque dans le centre de. Ici, le cinéma, l'ancien cinéma, c'est pas fait ça. C'est pas fait encore. C'est pas fait et apparemment même l'implantation resterait là. Alors que peut-être, à mon avis, il serait peut-être plus intéressant d'avoir à cet emplacement un syndicat d'initiative, hein, qui serait juste en dessous de nous, par exemple. Hein, et puis peut-être, à ce moment-là, la bibliothèque et les locaux maintenant qui se sont dégagés avec Marie Curie, avec Léo Lavard, n'en parlons pas puisque ça n'est pas exploitable. Mais avec Marie Curie, on pourrait peut-être. Mais en face, là c'est, ce n'est plus moi qui. Enfin, c'est la politique municipale, si on veut. C'est plus moi. Alors, il ne faut pas oublier que qui dit syndicat d'initiative, qui dit musée, dit conservateur. Ah, oui. Alors là, c'est un poste, des postes créés, ça. Et permanent. Regardez Codin qui a un problème, qu'on dérange monsieur. Comment il s'appelle déjà? Le bon. Tous les dimanches au matin et dimanche après-midi, pour visiter. Parce qu'ils sont engagés à s'appeler musée. Merci. Oui, mais bien sûr, nous n'avons pas assez de possibilités d'extension. Voilà. Bon. Je profite que j'ai le micro. Je profite qu'il marche. Mais pour préciser que ça, c'est des matériels et de la mairie, hein. Ça vient pas de nous. Donc là aussi, il y a des. Celui qui est à nous, là, n'est pas nous. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors maintenant, eh bien, je vais laisser la parole à Mme Bonnet, qui va vous présenter un peu le programme de cette année. Les perspectives d'activité 2003. Nous en discuterons rapidement après, et puis nous passerons au bout de la midi. Alors, comme d'habitude, nous envisageons de faire une sortie d'un après-midi en février, fin février. Et nous avons envisagé trois destinations que nous allons vous proposer. Vous nous direz celles qui vous agréent particulièrement. Alors, nous avons retenu la piscine de Roubaix, qui est un musée d'art et d'industrie. Outre l'architecture de cet ensemble, de nombreuses corporations d'art moderne demandent à être vues. Le maillot de bain n'est pas utile. Deuxièmement, le musée régional de la télécommunication à Marcq-en-Barœul, consacré à l'évolution de la poste et des télécommunications. Il s'est chargé de conserver la mémoire du télégraphe, de technique très moderne, de chape à la fibre optique. Et troisièmement, la manufacture des Flandres à Roubaix, musée Jacquard et de ses métiers à tisser. Du 18e à nos jours, et une exposition exceptionnelle de tapisseries et autres objets tissés. Redisons encore que je suis très content, très fier du dynamisme du comité, du dynamisme de ceux qui y consacrent leur temps. Je ne peux pas les citer, ils sont là, présents, un peu partout, répartis. Mais grâce à eux, eh bien, notre société reste quand même, je pense, quelque chose de très vivant, quelque chose de présent, qui doit toujours affirmer sa présence sur le plan local, et qui a donc, qui veut conserver cette volonté de sa mission culturelle, de sa présence culturelle à Anige. Voilà, merci de votre présence. Merci d'avoir osé affronter les neiges, non pas d'antan, mais d'Aniche.
et je vous invite maintenant à prendre le pot de l'amitié. Merci. Cet anniversaire de notre société. Merci à Monsieur le maire, les adjoints et membres du conseil municipal. Merci à messieurs et mesdames les présidents de société, à messieurs les présidents de société voisines et particulièrement à Monsieur Thomas. 30 ans, 30 ans d'activité, 30 ans de souvenirs. Nous ne pouvions laisser passer cet anniversaire. Nous avons voulu retracer la démarche, les activités de notre société depuis sa création jusqu'à nos jours à travers un condensé filmé. Et c'est d'abord un hommage que nous voulons rendre à son fondateur, Julien Lagrange, et aussi
à tous ceux qui ont apporté une contribution plus ou moins importante au développement et au rayonnement de la société d'histoire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à conserver et à faire revivre notre patrimoine historique, qu'il soit des niches ou des environs. Sa sauvegarde est tributaire des donateurs autant que des chercheurs. Merci à tous les bénévoles du comité, ceux qui sont encore présents et ceux qui nous ont quittés pour diverses raisons. Je remercie personnellement Roger Concile pour l'aide qu'il a apportée à notre société. Merci aux différentes municipalités et leurs maires, M. Quicampoix et M. Meurdesoif, qui nous soutiennent moralement et financièrement et ont permis notre installation dans un local confortable, mais encore trop exigu. Merci aux artisans de cette soirée et particulièrement à M. et Mme Bonnel qui se sont investis à fond. Je dois présenter les excuses de Mme Marcaille, conseillère régionale, de M. Pierre Lefebvre, conseiller général, retenu par d'autres obligations, ainsi que les excuses de Mme Kominowski, directrice de l'école maternelle L'Archevêque, de M. Brassard, de M. et Mme Bise. Qui dit rétrospective dit revoir des visages, des personnes qui nous ont été familiers et chers, mais qui malheureusement nous ont quittés. Les silhouettes de personnes comme la Drénaline de l'Arc du Héros, qui nous ont entourés, qui ont cheminé avec nous sur cette courte période de 30 ans, parce que c'est réellement court, 30 ans. Et dans le même temps, moi je mesure avec quel respect, avec quel soin, les membres de la société d'histoire locale s'occupent de conserver vivante l'histoire de notre commune, bien sûr, mais aussi surtout l'histoire de ses habitants. Tu veux y aller ? C'est une histoire, elle aussi, relativement courte, puisque on fêtera bientôt un chiffre rond, mais on peut dire que l'histoire d'Aniche a réellement commencé avec l'arrivée du charbon. On ne peut pas en disconvenir. Et cependant, quelle richesse! Il vous suffit de faire, comme je le fais parfois, rendre visite aux responsables, aux animateurs de la société d'histoire locale le lundi après-midi, et vous pourrez découvrir non seulement ce qui est présenté, exposé, mais aussi ce qui ne l'est jamais, faute de place. Mais j'ai bien entendu Didier, l'allusion maintes fois répétée. Soyez assurés qu'avec nos collègues du conseil municipal, c'est un sujet extrêmement prégnant. C'est un mot très à la mode, ça veut dire qu'il est chargé d'avenir. Hein ? Une discussion vont nous conduire à vous proposer, ce sera aussi votre choix, un certain nombre de solutions pour mettre en valeur notre patrimoine, bien sûr, mais aussi votre travail. Et à travers votre travail, c'est la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont fait ce qu'est notre commune aujourd'hui. Je veux dire que je suis très souvent également interrogé, soit par des visiteurs, l'occasion de mariage par exemple, très souvent, ou même par des hauts fonctionnaires. C'est une question qui m'a été posée trois fois par trois sous-préfets différents. Vous savez qu'on change souvent. On va encore certainement changer bientôt, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et à chaque fois, me dit, en fait, monsieur le maire, comment se fait-il qu'à Le Ward, nous ayons un centre historique minier et que sur la commune d'Aniche, qui se prévaut à juste titre d'avoir été la capitale du verre en même temps que celle du charbon, il n'existe pas de lieu où l'on puisse revivre ou faire revivre, ou montrer ou démontrer ce que fut cette industrie. Alors, je dirais que c'est une idée qui me travaille également depuis un certain temps.
J'ai eu des contacts avec le directeur de la mairie d'en haut, mais apparemment, ce n'est pas un projet qui a l'air de l'enthousiasmer. On a pris rendez-vous avec le propriétaire de la mairie Saint-Martin. Je dis Saint-Martin, c'est plus simple, ça change tout le temps de moi en disant Saint-Martin, on sait de quel il s'agit. Et il y a peut-être une possibilité. J'ajoute que vous savez que maintenant, dans le cadre de l'organisation territoriale, les communes sont groupées en communautés de communes et que cela pourrait faire l'objet d'une opération intercommunale. J'ai proposé d'ailleurs à Daniel Millot, le maire de Riolet, mais aussi le président du centre historique de et on aurait là un pôle particulièrement intéressant qui nous amènerait, ne m'en doutons pas, des visiteurs nombreux et qui donnerait un intérêt supplémentaire à notre commune. Et cette idée fait son chemin, puisque c'est une idée d'intérêt territorial, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qui dépasse largement les limites de la commune, et il est possible d'imaginer des financements importants, ou du moins plus importants que ce que la commune pourrait modestement apporter. Quoi qu'il en soit, je le répète, voilà un peu pour répondre à la question jamais posée, mais sans cesse sous-entendue, que j'ai su comprendre, monsieur le président. Voilà. Alors, encore une fois, j'espère que Laurent a changé de cassette. Oui, ça va. C'est bon, oui. Alors, je suis, non, parce que mon épouse est là aussi, nous sommes adhérents, bien qu'ayant quelques retards dans nos cotisations de la société du Saint local. Comment ? Ouais, je sais, Roger, c'est pas sérieux. Mais bon, elle est de cœur adhérent, on dira, mais on sera aussi financièrement. Et je veux dire, comme je dis régulièrement, que c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je me retrouve dans cette société parce que j'y retrouve ce qui nous manque le plus, mes racines. Je retrouve de l'histoire, je retrouve ma famille, je retrouve de la mémoire. Et la mémoire amène à réfléchir. Je crois que dans ces temps un peu très troublés qui s'ouvrent devant nous, la mémoire peut être une arme très intéressante et peut-être aussi puissante que certaines armes de destruction massive qu'on nous annonce un peu sur tout le ton. Donc, que cette société rassemble encore plus largement, qu'elle sache faire porter le message dont je vous ai parlé, à savoir que lorsque l'on perd ses racines, lorsque l'on perd sa mémoire, on n'a plus beaucoup d'avenir. Alors pour que l'avenir de notre commune soit resplendissant, longue vie à notre société du centre local, Laurent, tu peux envoyer la suite. Nous aurons des écuries, puis après une demi-heure, nous assisterons au dressage des chevaux. Ensuite, il y aura le repas. J'espère qu'il sera aussi bon que l'année dernière, ça c'est pas prouvé. Et puis après, la visite du musée Condé, c'est-à-dire du château de Chantilly. Et nous terminons. Ah, bon, voilà, je pense, je ne sais pas si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Pas de retardataire ? Ben non, parce que, alors là aussi, c'est strict, hein. Ils ont renvoyé des bons telle heure à telle heure, un bon pour telle heure à telle heure, un bon pour telle heure à telle heure, je n'ai jamais vu ça, moi. Enfin, bon, alors, ça, j'espère que ça va marcher, on va marcher ou pas. Militaire. Bien, voilà, je repasse le micro à monsieur Delro. Ce qu'elle a oublié d'ajouter, c'est qu'au dessert, il y aura quand même de la crème. Bon, également, j'ajoute une autre information. Nous préparons toujours activement notre exposition sur le commerce et la vie d'un quartier.
Et également, nous aurons probablement une communication en septembre ou début octobre par Xavier Bott, communication qui continuera celle qu'il a faite l'année dernière concernant Anichois. Le 4 avril 1925, naissait boulevard Drillon dans une modeste famille de mineurs. Poursuit un élève du lycée de Douai, Louis de Beau, Danish, fils d'un mineur de fonds, vient d'obtenir le premier prix de dissertation française au concours général des lycées et collèges de France. Le dernier nordiste qui obtint ce prix fut en 1925 l'écrivain Van der Merch, qui se vit attribuer par la suite le Goncourt. Vous voyez que Louis de Beau faisait une entrée fracassante. En cette même année, 1943, il obtient une mention bien à la première partie du baccalauréat. En 1944, reçu bachelier, il exerce le métier d'instituteur. Bientôt, il devient maître d'application et, en 1960, professeur de CEG. Sa passion pour l'histoire, et particulièrement celle d'Anich, s'est fait jour. Et en 1967, il donne au foyer culturel une première conférence, suivie le 11 mars 1969, par la présentation de son travail, toujours au foyer culturel, sur Anich, de la préhistoire à la Révolution. Mais nos ancêtres anichois vont vivre un siècle d'incertitude, de guerre, de pauvreté, d'indigence. Et au milieu de ces malheurs, une sorte d'accalmie dans les premières années du XVIIe siècle. En 1615, le mailleur, ni Danish, Nicolas Dufour et ses sept échevins, Pierre de Navarre, Jean de Cambrai.
et messieurs, mesdemoiselles, bonjour et bienvenue dans les grandes écuries de Bordeaux. Certainement les plus belles écuries du monde. Vous trouvez ici sous le dos, aujourd'hui transformé en manège, c'est l'endroit couvert, intérieur, où nous allons travailler nos chevaux. Nous travaillerons nos chevaux devant vous, mais ceci sans aucune prétention équestre, le musée ayant avant tout une vocation pédagogique. Mais avant tout, commençons par survoler l'historique et la légende de ce bâtiment. Il est donc une légende à Chantilly qui raconte que Louis-Henri de Beaumont, 7e prince de Bordeaux, croyait dans qui était logé 120 dans cette aile, 120 dans l'autre. Ils étaient logés dans des stalles, c'est-à-dire attachés à la tête au mur, comme il était d'usage à l'époque. En revanche, les écuries, selleries, stalles et boxes que vous avez traversées en rentrant, ainsi que les noms que vous aurez pu lire au-dessus des boxes de nos chevaux, datent du 19e siècle. Alors ne vous méprenez pas, nos chevaux s'appellent avec les noms marqués devant les box. Aussi, le dôme où nous nous trouvons servait à l'organisation de grands dîners. Et c'est dire qu'ils sont devenus de très grands. Louis XV, Philippe II de Prusse. Des épaules du cheval. Alors c'est bien sûr la même chose de l'autre côté. La jambe gauche nous permet de pousser les hanches du cheval vers la droite. Et en incitant de pivoter autour des épaules. Alors maintenant, nous passons aux mains. Les mains appuyées par la médière des rênes, ce sont de la lière en cuir que nous tenons, mais également par l'intermédiaire des mors, sont les parties métalliques situées dans la bouche du cheval à un endroit où il n'y a pas de dents et que l'on appelle les barres. Alors les mains ont pour but de gérer le mouvement en avant, c'est-à-dire de ralentir ou de pouvoir arrêter notre cheval. Alors si nous fermons les doigts sur des rênes ajustées, le cheval ralentit et en insistant, il s'arrête. Si nous gardons les doigts fermés et que nous fermons en même temps les jambes, le cheval est obligé de bouger mais il ne peut pas partir en avant, il ne pourra que reculer. Et une fois les doigts à nouveau ouverts, il est autorisé à repartir en avant. Bon, allons sauter, car le cheval effectue un tour de suspension avec ses quatre membres où aucun de ses membres ne touche le sol du moment. C'est donc pour ça que nous rebondissons un petit peu sur la scène. Je disais de l'allure la plus inconfortable, car le débutant, n'ayant pas le rein souple, capable de se vousser et se cambrer pour suivre le mouvement de son cheval, passera inévitablement par une phase très agréable qui a dégoûté beaucoup de cavaliers, qui est le tape-cul. Alors, chose qui fait très mal aux cavaliers, aux fesses du et à ses fesses, mais bien sûr au dos du cheval, qui n'est pas fait pour recevoir des sacs de patates sur son dos, n'est-ce pas? Alors, c'est au 19e siècle que les Anglais, les militaires anglais, importèrent le trot enlevé, qui nous permet de nous lever un temps sur deux, et ainsi d'éviter une des deux battues du cheval, et pouvoir parcourir des kilomètres sans se fatiguer. Nous servons du trot enlevé pour la détente de nos chevaux, de manière à pas dissymétrique, parce que si vous observez les membres intérieurs gauche de mon cheval, c'est-à-dire la jambe de devant gauche et la jambe de derrière gauche, ils parcourent une plus grande distance que ceux du côté droit. C'est pour ça que je parle du galop à gauche. Et tout à l'heure, je parlerai du galop à droite quand on tournera main. Alors, le galop est une allure basculée du dos du cheval sans s'ouvrir. Sans s'ouvrir. Hein, c'est toujours très très envie de s'ouvrir. Et très confiant devant vous, ce qui est très bien, on se relève comme ça on s'ouvre. Alors donc, le coucher vient des Chicos, cavalier hongrois, qui avait découvert, qui n'ayant pas la possibilité de se cacher pendant les batailles dans les steppes qui étaient complètement plates, couchaient leurs chevaux, s'installaient derrière et surprenaient leurs cavaliers en remontant d'un coup sur le cheval et toute une armée se dressait devant les assaillants. Alors donc, je vais vous expliquer les différentes phases pour l'apprentissage de cette aire. D'abord, je descends et j'enlève la selle. Pour pas que celui-ci se blesse et prenne peur, il ne veuille plus se coucher. Ceci est très important car si le cheval se blesse, impossible de reproduire quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, il a une grande mémoire
qui va se dire « Ah, vous me faites mal quand vous me touchez, donc c'est pas bien. » Alors vous avez vu Sophie qui vous a appris la révérence. Alors moi je vais devoir apprendre la révérence des deux côtés, d'abord à droite, puis ensuite à gauche, de manière à ce que mon cheval plie les deux genoux, quand je lui dis. Allez, voilà, je plie ainsi les deux genoux. Et passe par une phase d'appui sur les deux genoux et se couche. Alors le coucher est d'abord avant tout une grande preuve de confiance du cheval, car le cheval est un animal de proie, et donc amené à trouver plein de prédateurs autour de lui. Et ainsi se coucher au milieu de l'herbe l'empêcherait de voir ce qui se passe autour et risquerait de le faire mourir. Et sélectionner nos rations